Bonsoir à tous, je vous emmène ce soir à Croissy-Beaubourg pour la cérémonie des vœux du maire Michel Girès. De l'agglomération, comme maire au sein de la conférence des maires de Paris-Val-de-la-Marne, et puis surtout de la volonté d'un homme et puis d'une équipe municipale de développer en permanence Croissy-Beaubourg. On était il y a quelques semaines ensemble dans la zone d'activité de l'Amiro, sur la partie Croissy-Beaubourg. Cette équipe, plus les administratifs qui sont là, regardez, en train de nous mitrailler en photo, plus les services techniques qui font toute l'année un travail extraordinaire. Alors quand on voit ce film, c'est vrai, il est beau, c'est très festif, on en est fiers. Mais derrière tout cela, il y a énormément de travail. Et... Oui. Merci beaucoup, monsieur le maire, merci beaucoup à tout le monde. Puis à bientôt, on va danser beaucoup de chansons. Muchísimas gracias. À tout de suite, Pedro, à tout de suite. C'est peut-être vrai d'ailleurs, hein, car nous avons une petite surprise avec Jacques Keck. Pour lui, ce n'est pas une surprise parce qu'il s'est tellement battu pour ça. Mais il a réussi avec son équipe de la commission des finances à demander à l'État une subvention importante parce qu'on a prévu pour les deux écoles un budget, un emprunt de 9 millions d'euros. On sait très bien que dans les deux ans, nous récupérons 20% de TVA, donc on peut considérer que c'est une affaire de 7 millions d'euros. Mais le travail de Jacques Keck et de son équipe a eu pour conséquence que si au mois de septembre on a été reçu par M. le préfet et M. le sous-préfet qui nous ont annoncé qu'on n'aurait rien comme subvention parce qu'il n'avait plus d'argent à distribuer, comme par miracle, mais les miracles arrivent, vers le mois de novembre, 1 300 000 nous a été versé, plus 400 000 d'un autre versement, plus le département 300 000, ce qui fait que Jacques vient me voir et me dit « Michel, tu sais, je crois que nos écoles, on va descendre en dessous des 5 millions d'emprunts. » C'est un fabuleux travail parce qu'il faut les faire, ces dossiers de demande de subvention. Et puis quand on réussit, même quand on n'y croit plus, alors là c'est le paradis, hein. Les élus qui travaillent tant, venez me rejoindre sur la scène, venez avec moi, car tout seul je ne peux rien faire, sans vous je suis rien. Félicité pour ces, si je ne me trompe pas, 41 années de mandat, et je trouvais que c'était important de te la remettre ce soir.